de passer au combat. Parlons un peu des talents de ce combattant en boxe. Moi, j'adore son contrôle et surtout ce côté assassin silencieux. Peu de mots, beaucoup de dégâts. Et puis ce jab, ce crochet, ça nous change des coups de pied circulaires. Si la puissance est un facteur important en MMA, il ne faut pas non plus négliger la rapidité d'exécution et le jeu de jambes. Et ce combattant est l'un des plus vifs de sa catégorie. En tant que spécialiste de la frappe debout, il ne fait aucun doute qu'il va tout faire pour que ce combat se déroule debout et tenter de finir sur un KO. Il est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à le toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. Présentation de ce combat dans la catégorie des lightweight. L'écart d'âge entre ces deux combattants est de plus de 5 ans. Et ils font la même taille, avec une allonge légèrement différente. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattants de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Yves Loving. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Prudential Center in Newark, New Jersey. It's time! 5 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a boxer, holding a professional record of 35 wins, 17 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Miami, Florida, Jorge Gamebred Masvidal. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a boxer, holding a professional record of 24 wins, 7 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Waianae, Hawaii, Max Blessed Holloway. Okay, guys, protect yourself at all time, obey my command at all time. If you want to touch love, do it now. Et on ne touche pas les gants ici, ça promet d'être intense. You ready? Deux combattants qui excellent en striking. Il y a vraiment peu de chance que le combat aille au sol. Superbe low kick par Holloway. Superbe coup de pied à la jambe par Holloway. Le coup vient percuter sa cible. Le coup de poing qui arrive. Il est aussi précis qu'un boxeur pro. Il ne laisse aucun répit à son adversaire. Superbe high kick. Avec ce coup de pied retourné. Et on se retrouve donc en clinch dans ce combat. Assez tôt d'ailleurs. Clinch permet de jauger son adversaire, de voir si votre stratégie va fonctionner.
Il engage donc un clinch Muay Thai. Il va falloir faire attention à la tête. Et au corps aussi. Il n'est pas à l'abri d'un coup de genou bien placé qui lui coupe le souffle. Il le touche avec cette frappe. Il bloque ce coup de pied à la tête. Et le head kick encore, le coup de ce round. Ah, si son adversaire ne relève pas les mains, il aurait tort de s'en priver. Ça peut lui offrir un KO. Il touche sa cible du droit. Oh, quelle technique, coup de pied à la tête. Une série punitive. Il l'a touché. Et il bloque parfaitement cette frappe. Il place un joli low kick. Et une droite qui touche sa cible. Il avait vu l'ouverture. Et il lui colle son pied en pleine tête. Cette frappe qui touche, mais sans faire de dégâts. Vu la force qui lui reste, pas sûr que ce soit bien dangereux. Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied. Difficile de tenir sur cette jambe après tant de coups reçus. La frappe trouve sa cible. Il porte un puissant low kick. Il manque son jab. Superbe prochaine et c'est bloqué par Holloway. Ouh, ça va faire mal ça. Il s'accroche à son adversaire, histoire de souffler. Mais quel combat incroyable! Ça touche au visage. Il rate sa cible. Et un coup de pied! Il touche son adversaire avec cette droite. Oh, il encaisse ce coup encore. Il lui fait goûter son coude. C'est fini pour le premier round. On revoit la chute. On revoit le coup de pied qu'il envoie au sol. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Allez, le deuxième round avec Max Holloway contre Jorge Masvidal. Il bloque ce coup de pied. Hop, le coup de poing qui fait mouche. Réponse sur un ring. Il se rate de peu avec ce puissant coup de pied. Et bim, dans la tête. Il ne faudrait pas qu'il en prenne beaucoup comme ça. Wow, et c'est terminé. Wow, c'est fini. Il y avait du Anderson Silva ou du Lyoto Machida dans ce coup. C'est un front kick magistral qui a mis fin au combat ce soir. C'est une technique qu'on voit de plus en plus à l'UFC. Bon arrêt de l'arbitre. Il ne se défendait plus et son adversaire lui faisait très mal. Ça aurait pu mal tourner. Franchement, une bonne décision. Jetons un coup d'œil au ralenti de ce combat. On voit bien la puissance du kick ici. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Eve LeBing has called a stop to this contest at 1 minute of the second round. Declaring the winner by knockout.